À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi le métier de musher? Un musher est une personne qui conduit un traîneau à neige tiré par des chiens. C'est un mode de transport très ancien, déjà utilisé il y a des milliers d'années par les peuples vivant dans le Grand Nord et en Sibérie. Au 19e siècle, les chercheurs d'or l'ont adopté pour explorer les plaines enneigées du Canada et de l'Alaska. D'accord, mais aujourd'hui, à quoi ça sert d'être musher? De nos jours, c'est devenu un vrai métier. Pour l'exercer, il faut bien sûr aimer les chiens, mais aussi suivre une formation et obtenir un diplôme d'État. La plupart des mushers travaillent dans le tourisme et proposent des randonnées aux vacanciers. D'autres se consacrent au sport et participent à des courses organisées dans plusieurs pays, France, Norvège, Alaska. Mais dans tous les cas, devenir musher est long et exigeant, car pour diriger un attelage composé de chiens, il faut tisser un lien de confiance avec eux. Le musher vit donc avec ses chiens, en prend soin, les entraîne et connaît parfaitement leur caractère. Cette complicité est indispensable, car pour aller le plus vite possible en toute sécurité, les chiens doivent lui obéir sans faille. Chaque année depuis 2005, l'une des courses les plus difficiles a lieu dans les Alpes françaises, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Des musheurs de plein de pays viennent y participer, avec leurs chiens. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.